Hier, on était le 11 hier. Asile Rideau. On a fait Asile Rideau. Asile Rideau? Que dire sur Asile Rideau? C'est très beau, Asile Rideau. C'est chouette. À l'intérieur, t'as... Alors, je sais pas si c'était temporaire ou si c'est constant, mais il y a des mécanismes. T'as des mises en place de pièces avec des meubles et des mécanismes, des trucs qui tournent et tout. Et du coup, c'était chouette. Au niveau de l'histoire d'Azerio, alors, il n'y a pas eu de roi exceptionnellement. Mais donc le couple qui habitait là, sous François Ier, ont... Ah non, c'est pas la fille d'Anne de Bretagne. Sais plus. Je sais que la fille s'appelle Philippe. Ça m'a un peu marqué. Philippe de Boëthie. Enfin bref. Il n'y a pas grand-chose à dire en fait de plus. De toute façon, je le noterai sur les photos sinon. Après Asile Rideau, on a fait Loche. Et Loche, c'était plus compliqué. Il y a eu toute une histoire avec les billets en fait. On a acheté les billets à l'office de tourisme en bas. Et ensuite, on est monté. Et il y avait un musée en fait avec un artiste russe qu'on voulait voir. Et dans le musée, enfin sur la pancarte à l'extérieur du musée, c'était marqué billet jumelé du coup avec le billet permettant d'entrer au logis royal et au donjon. Donc c'était 1,50 € de plus. On arrive devant et ils ont dit non. Les billets vendus par l'office de tourisme, on accède au même truc, sauf au musée, où c'est 5 € du coup. Et du coup, on a un peu bloqué. Maman a gueulé. Et finalement, on allait au logis royal. Maman a encore gueulé. Et du coup, ils ont appelé l'office du tourisme. La fille, elle est montée jusqu'en haut pour nous refaire des billets. Et finalement, on est allé voir l'exposition. Qui était pas mal du tout. Il y avait un peintre en fait qui vivait là. J'ai oublié le nom. Mais j'aime bien parce que c'est des paysages. Et après, le truc russe aussi était chouette. C'était sur Casse-Noisette. Le logis royal. Alors pour le coup, en fait, c'est une cité royale, Loche. C'est-à-dire qu'on visite le logis, le donjon, mais il y a également des choses à voir en extérieur. Et c'est... Alors il y a qui dedans? Louis XI a fait enfermer dans le donjon... comment il s'appelait? Le protecteur de... Le mécène de Léonard de Vinci. Il a fait enfermer aussi deux évêques. Louis XI avait l'air un peu parano. C'était... C'est pas Louis XI, hein, Louis. C'est Louis IX. Non. Je sais pas ce qu'il a fait, Louis XI, à part enfermer des gens. Il y a Charles VIII, donc... c'est pas Charles VIII, Charles VII, pardon. Parce que Charles VIII n'a pas eu d'enfant. Charles VII, son papa, était également dans le coin. Et en fait, c'est à tous les deux, et c'est eux qui ont construit un peu la forteresse. Et Louis XI se vantait donc de pouvoir faire des cachots à la perfection, vraiment très confortable, 2 mètres sur 2, des latrines dans la porte grillagée, nickel quoi. Et dans le logis royal, du coup, c'est là où il y avait Anne de Bretagne, elle a passé énormément de temps à Loche. Donc Anne de Bretagne, c'est celle qui s'était mariée, qui a été mariée à Charles VIII avant d'être mariée à Louis XII, le cousin de Charles VIII, quand Charles VIII est mort. Qui ont donc été mariés à 14 ans, dans le château qu'on avait vu avant. Il me semble que sa fille a un rôle à jouer quelque part, j'en ai entendu parler hier, Claude de Bretagne, mais je l'ai oublié, dis donc. Je sais plus où. Le mettrai en note, de toute façon. Et du coup, il y a Fouque. Ah, j'ai oublié de parler de Fouque la dernière fois. Au château de... C'était lequel? Celui où Henri II est mort. C'était quelle ville? L'Angers?
semble que c'était Angers, je corrigerai de toute façon. Fouque, le château à base appartenait à Fouque. Enfin, au frère de Fouque IV, Fouque de Néra. Et son frère, du coup, était pas content, étant donné que c'était son aîné, l'autre, celui qui avait le château. Fouque IV a donc attaqué son frère et l'a emprisonné pendant 30 ans dans son propre château. Et lui, pendant ce temps-là, il s'est éclaté à faire des forts partout, dont des forts à Loches. C'est lui qui s'est chargé de construire un château fort. Et c'était pas un monsieur très aimable, Fouque IV. Et on peut voir dans le donjon, en fait, les toits et les sols ont disparu, mais à chaque niveau, ils ont fait une espèce de semi-passerelle en grillage, pour dire que j'étais vachement rassurée. Et ils expliquent c'était quoi la salle en fait. Donc il y avait l'église au premier niveau, deuxième niveau à droite, parce que le donjon est comme ça, et en fait au milieu il y a une coupure, il y a chaque truc. Il y a la grande salle à gauche, ensuite les appartements seigneuriaux, et à droite ouais, l'église. Pour le donjon, on n'a pas pu tout voir parce que ça fermait. On a vu l'essentiel. Hein. On n'a pas vu la maison du gouverneur, mais je m'en fous un peu. On a vu les oubliettes. Donc là où était enfermé le mec, le protecteur de Léonard de Vinci, il a fait des peintures avec de l'œuf et d'autres trucs en fait qu'il avait sous la main. Et pas mal du tout les peintures, le mec. Hein. Et beaucoup plus bas, t'avais deux évêques du coup qui eux n'avaient pas de fenêtre. Parce que l'autre il y a une fenêtre quand même. Et c'était beaucoup plus restreint. Et il y a une croix gravée, on suppose que c'est eux qui l'ont gravée, on n'est pas sûr. Et après tu redescends, t'as les souterrains qui mènent à l'extérieur du château en cas de siège. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre à Loches? En fait, il y a quelques rois qui sont passés à Loches. François Ier, il me semble, est passé à Loches. Charles VII, lorsqu'il a fui, s'est retrouvé à Loches. Et au château, au logis royal, du coup, il y a également la salle où Jeanne d'Arc s'est ramenée pour la seconde fois, donc, et demander à Charles VII d'aller à Reims. C'est la deuxième rencontre de Jeanne d'Arc et de Charles VII. Ah, la première étant à Angers, il me semble. Je sais plus c'est quoi le nom du château, je crois. C'est tout, je crois. Ça me reviendra. Il y avait un truc qui m'était revenu hier à propos d'un autre château. Alors il y avait Fouque IV. Et il y avait. Ah, Maximien. Charles VIII, qui épouse donc Anne de Bretagne, 14 et 21 ans. Il était fiancé à la base avec la fille de Maximien. Et il voulait pas rompre ses fiançailles, il aimait bien hein, la fille de Maximien. Mais c'est sa sœur du coup qui a insisté, la régente du royaume. En lui rappelant que avoir le duché de Bretagne, c'est pas de la merde quand même. Et du coup, il a rompu sa fiançaille pour épouser la gamine et Anne de Bretagne, qui était donc mariée par procuration à Maximien. Donc techniquement, il a épousé sa future ex-belle-mère. Ça fait bizarre, quoi. Hein? L'époque des automates. Ouais. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.